C'est parti pour le premier numéro du mois et de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Les propos d'Augustin Kabouya continuent de défrayer la chronique. Le secrétaire général de l'UDPS, au cours d'une matinée politique ténue le week-end dernier, a chargé Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, comme responsable de la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Il accuse Joseph Kabila de soutenir Corneille Nangaa et son alliance Fleuve Congo Hôtel, et il se réfère donc au ralliement de plusieurs cadres du PPRD à ces mouvements politico-militaires. La réponse du camp Kabila ne s'est fait pas tarder. Barbara Ndimbi, conseillère en communication du sénateur à vie, a réagi pour faire savoir que Joseph Kabila n'a pas quitté le pays en catimini, contrairement aux allégations d'Augustin Kabouya, mais il est à l'étranger sur base de son agenda, et dès qu'il aura terminé son programme, il reviendra au pays et sans aucune restriction. Est-ce que Augustin Kabouya sera-t-il poursuivi pour propagation des faux bruits? Nous en parlons dans cette émission. Et au cours de cette même matinée politique, Augustin Kabouya a dévoilé, selon plusieurs observateurs, les intentions du parti présidentiel et de Félix Tshisekedi, principalement de s'éterniser au pouvoir en demandant aux militants de l'UDPS s'ils étaient convaincus que Félix Tshisekedi faisait son dernier mandat. On va tenter d'aborder également cette question. Et puis, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, annonce dans les prochains jours le lancement de l'opération Panthère Noire pour traquer les Kuluna. Cette opération qui voit le jour après l'opération Likofi qui a été menée par le général Kanyama. Voilà donc les principaux sujets de cette émission. Sur ce plateau, je reçois Marley Vouvou, analyste politique, avec qui nous allons devoir décortiquer ces deux sujets. Bienvenue, Vouvou. Merci, cher Hervé. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Laisse-moi commencer par souhaiter mes joyeux anniversaires à l'honorable Mike Moukeba Nkosso. Ah bon, c'est son anniversaire aujourd'hui? Qui fête son anniversaire malheureusement en prison. En prison. Et surtout, en procès, sans jugement. Non, et surtout, ce qui est grave, il est objet de plusieurs menaces à partir de la prison. Ah bon? Par un certain matin, on m'apprend, je ne sais pas si bien, j'ai bien retenu les noms, c'est un certain matin qui menace Moukeba, et soi-disant, il a réussi l'ordre venant de la haute hiérarchie de mettre Moukeba mal à l'aise en prison parce que Moukeba refuse de céder à leur demande. Mais qui est-il ce matin? Un civil ou un militaire? Je ne sais pas. C'est à celui qui l'utilise de nous dire qui est Mata. Mais comment on peut commencer à menacer des gens qui sont déjà incarcérés? Il n'y a aucun lien qu'une personne peut se sentir en sécurité qu'en prison. Mais si en prison, si on est menacé jusqu'à la prison, ça veut dire nous avons quitté la dictature pour l'autoritarisme. Mais je connais Moukeba, je connais sa ténacité, je sais qu'il va tenir et nous n'allons pas baisser les bras. Et Mata, s'il continue, nous allons agir aussi pacifiquement pour le faire reculer et faire parler le droit. Mais on reproche quoi exactement à l'honorable Mike Moukeba? Mais l'autre fois, je vous avais dit, l'infraction pour laquelle Moukeba est poursuivi, ça s'appelle, c'est-à-dire un Moulouba ne peut pas combattre un Moulouba. Donc c'est interdit au Congo qu'un Moulouba soit opposant d'un autre Moulouba. C'est pourquoi Moukeba est en prison. C'est ça la raison. Très bien. Est-ce que l'honorable Moukeba sera-t-il relaxé aussi? Le président de la République nous donne l'impression de vouloir décrisper la situation politique. Il y a Salomon qui a quitté la prison, il y a l'autre communicateur du PPRD, je crois qu'il parle à moto, qui est sorti aussi. Est-ce que dans cette vague, on peut espérer retrouver l'honorable Moukeba en liberté? Le président est atteint de décrisper la situation, le climat politique ou le climat social, en libérant des prisonniers, entre guillemets, politiques. Mais hier, le président Tshisekedi avait dit qu'il n'y a aucun prisonnier politique au Congo. Hier, le président Tshisekedi, sur France 24, il avait confirmé qu'il n'y a aucun prisonnier politique. Donc, s'il n'y a aucun prisonnier politique, il n'y a pas question de décrisper aussi. Mais je vous avais dit l'autre fois aussi, il ne faut pas résumer la décrispation politique à la libération de Salomon Kalonda, parce que Salomon est libéré, oui. Il était arrêté pour avoir fait quoi? Et dans quel état il est libéré? Mais on l'avait cueilli au pied d'avion, debout, on l'a remis en liberté sur une chaise roulante. Je vous avais dit que moi je serais satisfait une fois je verrai Salomon nous revenir en récupérant tous ses états, aptitudes physiques et mentales.
Parce que le Congo, la politique au Congo est ce qu'elle est. On peut nous libérer quelqu'un pour ne plus nous revenir. Moi, j'attends que Salomon rentre au pays en ayant toutes ses aptitudes physiques et mentales en place. Vous parlez de Kipalamoto. Kipalamoto avait commis quelle infraction? L'infraction de Kipalamoto, c'est qu'il y a l'équipe ici. Il n'y a pas l'équipe ici. On prend un citoyen au Léman en prison. D'ailleurs, si c'était moi qui parle à moto, j'allais aller en justice contre l'État congolais, sans jugement. On a soustrait ses jours de vie, sans raison. Un jour, on lui dit, rentre chez toi. Donc, il n'y a pas de climat politique. Tu sais, Kédi est en train de jouer. Prendre le pays comme une boutique, il peut placer ses sardines à gauche, des mains à droite. Il peut déplacer des biscuits, soit devant les comptoirs, soit à l'extérieur de la boutique pour l'exposer sous le soleil. Il fait ce qu'il pense. Mais simplement, il doit retenir que nous, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer à résister parce que nos droits et libertés n'est pas négociable. N'est pas négociable et on ne les négociera jamais. Il peut voyager, marcher sous le tapis rouge, faire ce qu'il veut. Mais c'est la chose qu'il doit retenir, que nos droits et libertés n'est pas négociable. Très bien, on continue, on va continuer de suivre de près la situation de l'honorable Mike Mukeba qui a été l'objet des menaces ce matin. Mais depuis dans, sa tout, ça, de dans tout ça, où sont les administrateurs de la prison, les directeurs adjoints, les patrons de la sécurité de la prison centrale de Makala, où sont-ils? Il y a une administration à la prison centrale de Makala. Un détenu, ne prenons pas Mukeba comme député d'abord, un détenu menacé, entre guillemets, par un agent, soi-disant il a réussi les ordres venant de la haute hiérarchie. Est-ce que, je pose la question au directeur Flory, que je salue en passant, le colonel, est-ce que cet ordre n'est pas venu de lui? Si l'ordre n'est pas venu de lui, il doit agir à sanctionner ce matin. Si Matan n'est pas sanctionné, ça veut dire que le directeur est complice. Parce qu'il y a une administration. Un agent, en soi-disant, ne peut pas mettre mal à l'aise ou déranger ou menacer un détenu. Est-ce que cette prison est encore sécurisée? Parce que vous allez vous rappeler, il y a quelques mois, deux groupes de Kuluna se sont affrontés dans l'enceinte même de la prison. Et les éléments commis à la garde de la prison ont dû utiliser... D'ailleurs, filmer et publier. Exactement, ils ont dû utiliser les armes pour partager les deux groupes. Est-ce que la prison est encore sécurisée? Il y a un problème général dans notre administration. Vous avez vu, ce n'est pas seulement la prison de Makala. Les agents de l'ANR, ils avaient publié une photo de François Béa. Donc, il y a un problème dans notre appareil. Quand on vous arrête, on doit vous humilier. Non, donc, il y a un problème dans notre appareil judiciaire, de même dans l'appareil sécuritaire. Il y a un problème qu'on doit régler. Mais c'est lui qui devait régler ces problèmes. Et entre les avions, c'est ça aussi le problème. À peine réélu, il est à son 11e voyage. À peine. Et lorsque vous allez lui poser la question sur ce problème, il vous dira qu'il n'était pas informé. Merci. Il n'est pas au courant. Très bien. Alors, comment est-ce qu'il va être au courant pendant qu'il n'habite pas au Congo? C'est ça le problème de Tshisekedi. Tshisekedi n'habite pas le Congo. J'ai comme l'impression que Tshisekedi visite le Congo. Parce que quand vous faites 5 jours par voyage multiplié par 11, ça vous donne 55 jours pratiquement. Mais quand vous prenez 3 mois, ça fait 90 jours. Donc il a passé plus de temps à l'extérieur qu'au pays. Comment il va donner des réponses aux problèmes de la population? Merci beaucoup. On va cette fois-ci aborder, ou on reste toujours, dans le volet sécuritaire pour parler cette fois-ci de l'opération Panthère Noire annoncée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, une opération qui aura pour objectif de traquer le Kuluna. Il est pratiquement... La ville de Kinshasa est devenue pratiquement invivable. On ne peut pas passer un seul jour sans que l'on parle de ces phénomènes. La circulation est devenue extrêmement difficile. Il faut choisir par où passer, de peur de perdre soit son téléphone, soit sa vie. Est-ce que vous pensez qu'à ces jours, cette opération dite Panthère est la bienvenue? Et en attendant que, bien évidemment, la police puisse peut-être nous dévoiler
la méthodologie de cette opération, est-ce que vous pensez que c'est déjà un bon signal quant au phénomène Kuluna ou quant à la traque du phénomène Kuluna? Premièrement, qui vont appliquer cette opération? La police. Mais je vous prends l'exemple de la commune de Lingwala. Ceux qui sèment terrain, ce sont les enfants des policiers. Ah bon? Oui. L'autre fois, la semaine passée, le camp de Fungula était sous bouclage. Or, les policiers, ils avaient aidé leurs enfants de fuir avant. Aujourd'hui, tous ces Kuluna sont rentrés au camp de Fungula. Aujourd'hui matin, je suis venu ici en retard à cause de ça. À cause de ça. Aujourd'hui matin, sur Mouchi. Il y a deux jours, il y a un enfant, il y a un nom qui circule plus à Lingwala. C'est un enfant, sa maman est major. Il s'appelle Ariel. Elle a rendu un garçon, un élève de 6e humanité, inapte. Donc, ici, il faut commencer par boucler, par mettre fin d'abord au phénomène Kuluna, au sein des camps militaires et camps policiers. C'est difficile aujourd'hui de circuler, même la journée, à partir des avenues croisement cabine le 24 novembre, jusqu'à l'IPC, c'est pratiquement impossible. Tous ces garçons qui volent des téléphones et périques sortent du camp Kokolo. Et lorsqu'ils vous arrachent votre téléphone, ils rentrent au camp, devant tout le monde voit. Donc le problème ici d'abord, il y a une mauvaise gestion des camps militaires et camps policiers. Parce que moi je trouve impossible que les policiers qui ont pour mission de maintenir l'ordre et la discipline dans la société, que leurs enfants se comportent comme ça. Mais deuxièmement, ces policiers qui vont porter cette opération, est-ce qu'ils sont formés pour une telle opération? Parce que Limba, sa dernière sortie sur Top Congo, il avait dit, il a un problème d'effectif, il a un problème aussi de niveau de compréhension des policiers. Des moyens aussi. Et des moyens. Alors, Peter Kazadé, il lance une opération pour faire plaisir à qui? Est-ce qu'aujourd'hui l'effectif est là? Les moyens sont là? Est-ce qu'aujourd'hui, ces policiers ont maintenant compris? Parce que le général avait aussi, parmi les problèmes, il y avait la compréhension. Il dit telle chose aux policiers, les policiers appliquent autre chose. Vous voyez les dangers. Et la majorité des opérations réalisées par la police pour traquer les Kuluna, ils n'ont traqué que les innocents. Ils n'ont jamais traqué de vrais Kuluna. Et par moments, ils les font à dessein parce qu'ils savent que lorsque vous arrêtez un innocent, les parents ne vont jamais accepter que leur enfant aille en prison. Et les amendes, l'amende va jusqu'à 1 million de francs, 2 millions de francs congolais. Et ils savent qu'ils sont obligés d'arrêter que des innocents pour avoir l'argent. Et grave, cet argent n'est pas payé à la banque. Il n'y a ni quittance. La Borobank. Il n'y a pas de justification. Vous donnez un OPJ, OPJ dit, hey, monsieur, wana waza bizwa ekende. Peter Kazadé lance cette opération pour enrichir les OPJ et les officiers de la police, ou il lance une opération réellement pour mettre fin à ces phénomènes. Mais de l'autre côté, si l'opération réussissait aujourd'hui et que les Kuluna sont traqués, arrêtés, qu'est-ce que l'État va faire de ces jeunes? Ils seront tués, ils vont recevoir une formation pour les rendre utiles dans la société. Qu'est-ce qui va arriver après? Les moratoires sur la peine de mort ont été levés et ça concerne aussi, ou ça vise aussi le banditisme. Mais il y a des infractions, même s'il y a levé des moratoires, mais il y a des infractions, il y a des préalables pour que cette peine de mort soit appliquée sur un individu. Il y a des infractions bien définies, il y a peut-être des tentatives de meurtre, assassinat, tout ça. Non, mais le ministère ou la ministre de la Justice a été clair. La levée du moratoire sur la peine de mort ou l'exécution de la peine de mort vise ceux qui vont se comporter en traître au sein de l'armée, mais aussi ceux qui vont se comporter ou ceux qui vont être pris dans le banditisme. Est-ce qu'il y a de plus grands Kuluna que les détourneurs?
Ce Kuluna peut vous blesser, demain vous faites soigner. Mais ceux qui volent l'avenir de tout un peuple, pourquoi on n'a pas tenu compte de ça aussi? Parce que l'article 57 de la Constitution érige le détournement, si cela est... Si cela vient d'une personne investie du pouvoir public, est érigé en haute trahison. C'est ça la traîtrise. C'est ça la traîtrise. Pourquoi ils ont fait à dessein? Pourquoi ils se sont organisés en termes de solidarité négative? Ils se sont cherchés à se protéger. Je vais vous lire l'article 57 de la Constitution. Ça condamne l'exécution de la peine de mort? Non. Comme ils ont élargi les champs. Ça concernait au début que le militaire. Ils ont aussi mis le banditisme urbain. Mais il faut aussi mettre les détournés. Il faut aussi mettre les détournés. C'est surtout que les détournements, ça est repris dans la Constitution. Pardon. Mais en quoi cette peine de mort vous dérange? Non, ça ne nous dérange pas. Comment ça va me déranger, moi? Il faut laisser le gouvernement prendre des mesures draconiennes, question de décourager les traîtres et les bandits. L'article 57, les actes visés à l'article précédent, c'est-à-dire l'article 56, ainsi que leurs tentatives, quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une personne investie d'autorité publique, sont punis comme infraction de haute trahison. Ça dit, ceux qui ont détourné. Ceux qui détournent l'argent de l'État sont plus bandits. D'ailleurs, les constituants pensent qu'ils commettent l'infraction de la haute trahison. Mais vous dites que le lever des moratoires nous fait peur. Ça va nous faire peur pourquoi? Ou ça devait nous faire peur pourquoi? Nous, plutôt, l'inquiétude, c'est que nous avons peur que les innocents soient exécutés. Parce que le président nous a dit que la justice est malade. Et d'ailleurs, moi, je continuerai à lui poser la question, de quelle maladie souffre la justice? Il doit nous dire, lui qui a diagnostiqué la justice. Mais c'est en fait, si demain, on exécutait plusieurs innocents, et que Tshisekedi revenait pour nous dire, la justice souffrait d'une maladie mentale. Ça serait quoi la réparation? Il doit commencer par nous dire, la justice souffre de quelle maladie? Pour apaiser tout le monde. Personne n'a besoin que le pays soit trahi, mais on ne peut pas aussi voir les innocents être exécutés. Mais je vous avais aussi dit que la décision, le lever du moratoire, ce n'est pas seulement pour la traîtrise, c'est pour faire peur aux opposants et aux Congolais afin de changer la constitution. Et Kabuya l'a dit. Il a posé la question aux combattants. Qui vous dit que Tshisekedi est à son dernier mandat? Très bien. Donc Tshisekedi va procéder exactement comme Mobutu et son père en 1966. Ils vont exécuter 2, 3, 4 hauts gradés ou dignités et tout le monde va avoir peur et Tshisekedi va percer. Va faire le forcing. Moi, j'ai dit à Tshisekedi ceci. Il peut exécuter. On va y arriver. Il peut faire le forcing. Mais cette chose qu'on ne lui donnera pas, c'est ce qu'on n'a pas donné à Kabila. Très bien. On va y arriver. Des informations en rapport avec la situation de l'honorable Mike Mukebai. Pierre Tiani vient de nous communiquer là-dessus. C'est les messages de Mike Mukebai qu'il a relayé. J'ai reçu des menaces graves ce matin de la part d'un agent pénitentiaire du nom de Dadi Mata. Des menaces physiques directement sur ma personne. Il dit avoir reçu des instructions du régime via la direction pour me pourrir la vie et m'amener à sortir de la prison sur une chaise roulante comme Salomon Kalonda. Il se vante de la position de son père, secrétaire général au ministère de la Justice. L'incident de ce matin est parti d'une incompréhension quand il a tenté de m'empêcher d'aller prendre de l'air comme des droits. Vous avez déjà fait la prison. Est-ce qu'on peut interdire à un détenu de sortir et de prendre de l'air? Non. Mais sur base de quoi
le monsieur, comment il s'appelle encore, Dadi Mata, a procédé pour agir de la sorte. Mais il a dit, l'honorable a dit, il dit avoir reçu des instructions venant des autorités pénitentiaires, c'est-à-dire le directeur, le membre de la direction. Et il se vante de la position de son père, son qui est secrétaire général au ministère de la justice. Je l'ai dit tantôt ici, le silence de la direction était coupable. Parce que la direction devait agir vite, prendre l'air certains droits pour un prisonnier. Donc, je vous ai dit, le régime, il n'y a pas question de décrisper la situation, le climat politique. Le régime reste dans son chemin naturel de faire mal aux adversaires politiques. Salomon, il a été cueilli au pied de l'avion à l'aéroport d'Engili Debout. Aujourd'hui, tous nous avons vu comment Salomon est sorti de la prison sur une chaise roulante. Vous avez vu les photos publiées, la tension était élevée. La tension est élevée. Et aujourd'hui, après Salomon sur une chaise roulante, après avoir tué Chérubin Okene, Salomon sur une chaise roulante, voler le pouvoir que le peuple a donné volontairement à Moïse Katumbi, aujourd'hui, on décide d'intimider Mike Mukeba au-delà. Mais je pose la question aussi à la jeunesse de l'ensemble pour la République. Jusqu'à quand l'ensemble va subir? C'est des bourgeois. C'est des gens qu'on voit à peine dans des débats télévisés. Ils sont dans l'obligation d'agir comme l'adversaire agit, de la même manière. Est-ce qu'on fait la politique dans la bourgeoisie? Cette jeunesse de l'ensemble doit être révie. Cette ligue des jeunes doit être révie. Salomon sort sur une chaise roulante, il s'éteint, on leur vole le pouvoir, ils sont là en train d'observer. Ils continuent de qualifier Pélix qui serait le président de la République pendant que le pouvoir leur a été donné par le peuple. Anti-Chérubin, ils sont là en train de chanter, danser, faire des déclarations. Inutile, aucune réclamation à l'auteur d'un grand parti politique. Est-ce qu'il faut même des déclarations? Mais c'est ça que je vous dis. C'est des gens qui sont réservés. Entre temps, Mukeba est menacé, vous allez voir aucune réaction de cette jeunesse. C'est grave. Moi, parfois, je suis mal à l'aise de soutenir ensemble pour la République. Parce qu'ils sont obligés de donner les tympans. C'est la première force de l'opposition au Congo. Si aujourd'hui les gens disent que l'opposition n'existe pas, c'est l'ensemble pour la République. Ce n'est pas Fayoulou. Au regard des résultats publiés frauduleusement par Dedi Kadima, ils sont dans l'obligation d'agir. Très bien. Ils s'attendent quoi? Le jour où on va toucher les Moïse Katumbi lui-même, je me pose à qui est le président de cette Ligue des jeunes? Il faut poser la question aux autorités, aux responsables de ces partis. Jacques Indala avait déjà démissionné, je ne sais pas qui a pris la relève. La vie, la force d'un parti, c'est sa jeunesse. La force d'un parti politique, c'est sa jeunesse. Ces vieux-là apportent à la jeunesse que leur expérience et connaissance. La jeunesse, c'est la jeunesse qui fait vivre un parti politique. Vous voulez que, vous souhaitez que les jeunes d'ensemble pour la République puissent se comporter aussi comme ceux de l'UDPS? Pas comme la force du progrès, mais ils sont dans l'obligation de résister. Merci. De faire la résistance, que l'UDPS sente qu'il y a une force en face. Merci beaucoup. On va conclure avec l'opération Panthère Noire avant de parler d'Augustin Kabuya. Le phénomène Kuluna ces jours est assez complexe. Il y a la famille, notamment les parents qui ont perdu le pouvoir sur les enfants, justement parce qu'ils n'ont plus des moyens ou des ressources nécessaires pour tenir la famille ou les foyers. Vous avez de l'autre, l'État qui a aussi cette grande responsabilité de réorganiser les choses. Mais par où nous devons commencer? Par recréer d'abord l'État. Parce que l'État n'existe pas. Il faut d'abord créer un État-nation. Si on crée un État-nation où les règles vont être respectées, vous allez voir tous ces phénomènes vont disparaître d'eux-mêmes.
Le phénomène Kuluna, c'est un phénomène créé par l'absence de l'État, d'un État-nation. Vous venez de l'évoquer. Les colonnes vertébrales d'une nation, c'est la famille. Lorsque la famille n'existe plus comme colonne vertébrale, parce que pour qu'il y ait une famille, il faut aussi avoir des parents responsables. Or, l'État a rendu des parents irresponsables. Taux de chômage élevé, les gens ne travaillent pas. Ceux qui travaillent sont parfois, ce ne sont pas payés, parfois sous-payés, parfois très mal payés. Et les parents sont incapables de prendre en charge leurs enfants. Et les enfants ont décidé de se prendre en charge. On parle que des garçons qui sont devenus des Kuluna. Mais les filles que nous qualifions de Ujana, les mineurs qui dansent ni dans des terrasses, dans des débits de boissons ici, à Kinshasa, si on traque des Kuluna, comment on va faire pour régler le problème de nos jeunes filles que nous qualifions nous-mêmes de Ujana? Comment? Donc, le problème, ce n'est pas de lancer des opérations, mais on doit réfléchir. C'est pourquoi j'avais posé la question. Après avoir traqué ces Kuluna, après les avoir arrêtés, qu'est-ce que l'État va faire d'eux? Parce qu'on ne va pas se limiter à les traquer, à arrêter. Mais pour quelle fin? Les tuer? Le rendre utile dans la société? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que Peter Kazadi a expliqué tout ça? C'est des stratégies sécuritaires qui ne peuvent pas développer sur la place publique. Il a annoncé. Bien évidemment. Ça ne fait pas partie des stratégies sécuritaires. C'est-à-dire que c'est une décision qui devait être prise dans le conseil de ministres. Où le ministre de la formation professionnelle devait être mis en contribution pour qu'à l'avenir, lorsque ces coulons vont être traqués, qu'on sache ce qu'on doit faire des... Merci beaucoup. Donc, l'État doit d'abord commencer. Un, par remettre les parents à leur place. Créer d'emplois. Rémunérer réellement ceux qui travaillent. Afin que ceux qui seront bien rémunérés, de bien prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup. On va parler cette fois-ci du secrétaire général de l'UDPS. Ça fait bien, j'aime pas parler de Kabouya. Il a tenu des propos qui ont défrayé la chronique. Il a parlé de l'implication de Joseph Kabila Kabange dans la rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. Il a évoqué aussi les intentions de l'UDPS de vouloir s'éterniser au pouvoir selon la compréhension de plusieurs observateurs. Il a parlé aussi de la situation sociale chaotique. Il a fait savoir que si les peuples ne s'y retrouvent pas dans la gouvernance Tshisekedi, c'est parce que l'essentiel des moyens ou l'essentiel de nos ressources sont dirigés vers l'achat des armes, question tirer nos FRDC afin de bouter l'ennemi dehors. Mais commençons d'abord par les intentions de l'UDPS de vouloir pas s'éterniser au pouvoir, mais de vouloir conserver le pouvoir. Kabouya pose la question de savoir qui vous dit que c'est le tout dernier mandat de Félix Tshisekedi. Comment vous interprétez ces propos du secrétaire général de l'UDPS? Bon, il est permis à tout le monde de rêver. Déjà, Kabouya, c'est un problème pour lui-même. C'est un problème à résoudre pour aider, pour sauver d'abord Kabouya étant qu'un individu. Moi, l'autre fois, j'avais dit qu'on devait prendre voter une loi interdisant rien qu'à Kabouya de prendre parole sur la place publique. Comment ça? Si nous avons vraiment des députés qui ont le souci de cette nation ou de ces pays, ils sont dans l'obligation de prendre une loi. C'est impossible. Interdisant à Kabouya de prendre parole. Parce qu'à chaque fois qu'il prend... On va violer la loi. À chaque fois qu'il prend parole, il crée des dégâts inutiles d'ailleurs. Et il est en train de démontrer ses limites chaque jour. Et c'est un gars comme ça que Tshisekedi avait confié les missions d'information. En quoi les propos de Kabouya crée un dégât dans l'opinion? Au lieu d'aller loin, je dis à Kabouya tout simplement,
de ne pas se limiter qu'aux paroles, d'aller toucher à cette constitution. Notre silence n'est pas à confondre avec la faiblesse. Nous ne sommes pas faibles. L'opposition n'est pas faible. Est-ce que cette opposition existe encore? Cette opposition qui n'est même plus capable de mobiliser sur la rue? Si l'opposition n'existait plus, ils allaient changer la constitution. Mais nous sommes en plein début de législature. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de ne pas passer cette année sans toucher à la constitution. Ils vous ont dit ça? Raison du lever du lever des moratoires. C'est ça la raison principale. Mais je l'ai dit... Vous commencez à faire du méli-mélo. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Mais moi, j'ai dit à Tshisekedi, à Kabuya, ce qu'on n'a pas donné à Kabila, les gens sont morts pour que cette constitution ne soit pas changée par Kabila. Pour leur mémoire, on ne les donnera pas à Tshisekedi. Kabila est en train de rêver, c'est un nouveau riche. L'ivresse de la richesse pousse Kabila à dire n'importe quoi. Et surtout qu'il est limité en termes de réflexion et d'intelligence. C'est un secrétaire général d'un grand parti politique. Exactement. Député national. Il est secrétaire. Nommé récemment formateur, Il est secrétaire général. Limité sur les plans scientifiques. Il est secrétaire général comme Devos Kitoko, comme Bolenge Tenge, comme Jacob Mbangi, comme tout le reste des secrétaires généraux des partis politiques. En quoi il est plus secrétaire général que les autres? Est-ce que les responsabilités qu'il assume peuvent faire de lui un monsieur qui est limité sur les plans scientifiques? Vous pensez que la science ou l'intérêt, c'est le nombre des diplômes? Ce qu'il a dit là, même vous... Je parle des responsabilités qu'il assume, mais non de ses diplômes. L'intelligence est conditionnée au résultat. Kabuya a déjà fait quoi que vous avez jugé qu'il a obtenu des résultats? Il a déjà fait quoi? Peut-être dans les domaines pétroliers, lorsqu'il était Kadhafi. Peut-être là. Il a mené la mission d'informateur. Quelle mission d'informateur? La majorité était connue. Lorsqu'on publiait les résultats, tout le monde voyait ce qui festoyait. La majorité était connue. Dans l'irresponsabilité du régime, ils nous ont pris le temps pour rien. Dans un pays d'urgence, vous prenez 4 mois sans rien faire. 4 mois inutilement, dans un pays d'urgence. La majorité était connue. Ceux qui réclamaient de l'union sacrée étaient connus. Le nom des députés par regroupement et par parti politique était connu de tous. Alors il était là pourquoi? C'était pour prendre le temps et chercher comment à piller encore les caisses de l'État, inutilement. Kabuya a dit, ce qu'il a dit que tu sais qu'il dit, et à son dernier mandat. Mais c'est la constitution. Voyez-vous que Kabuya est limité. Il cherche où est-ce que. Où on a dit que Tshisekedi est dans son dernier mandat. C'est la constitution. Kabuya ne lit pas. Donc Kabuya et Tshisekedi, réellement, dis-moi qui tu es, qui tu feras, je te dirai qui tu es. Tshisekedi, il ne s'occupe pas du juridisme. Mais lui, il dit, qui a dit que Tshisekedi est à son dernier mandat? Mais la constitution. Mais la constitution. Ça lui approuve que ces gens ne lisent pas la constitution. Déjà, leur chef a dit, le juridisme, ce n'est pas son problème. C'est ça le problème. Dis à Kabuya, c'est la constitution qui a dit que Tshisekedi est à son dernier mandat. C'est la constitution. Et donc Kabuya voulait nous dire que Tshisekedi va s'éterniser au pouvoir. Non, Kabuya est en train de rêver. Moi, j'ai évité que peu mouton, que l'autre appelle sur la lité. Kabuya Zolota Zotala. C'est un parti au pouvoir qui pense peut-être à la conservation aussi du pouvoir en élevant peut-être certains de ses cadres. Non, il n'a pas dit. Il a pas dit sur moi. Peut-être Augustin Kabuya qui sera candidat président. L'IDPS. Il y aura peut-être le professeur Paul Tshilumbu. L'IDPS, décider de conserver le pouvoir, c'est normal pour tout parti politique.
Mais lui, il a dit ceci exactement. C'est peut-être un lapsus. C'est quoi ça? Il a dit, il a posé la question aux combattants. Qui vous a dit que Tshisekedi est à son dernier mandat? Un lapsus peut-être. Non, ce n'est pas un lapsus. Ils ont une constitution à main. Je vous ai dit au début, Tshisekedi va agir exactement comme Mobutu, son père et son ami Mobutu. Mobutu avait seulement exécuté Kimba, Bamba, Mamba, Anani, tout le monde avait eu peur de lui et Mobutu avait installé la dictature. C'est ce que Tshisekedi pense faire. C'est la raison même de ces fameux moratoires, de ces levées de ces moratoires. Il va semer la terreur ici, tout le monde va avoir peur de Tshisekedi. Ah, il commence à tuer. C'est un démocrate. Qui a dit que Tshisekedi est démocrate? Un démocrate peut. Vous avez vu comment Salomon est sorti? C'est dans quelle démocratie? Dans quelle démocratie on peut arrêter un citoyen pour le rendre handicapé? Le pouvoir judiciaire est indépendant. Ce n'est pas le président. Qui a fourré son nez dans les dossiers Salomon? Qui arrête? Qui a fourré son nez dans les dossiers Vital Kamerhe et Stanley Boujakira? De quelle indépendance vous voulez me parler? Fourrer le nez n'est pas synonyme de donner des injonctions. L'enquête de Félix Tshisekedi dans les dossiers Kamerhe a pris primauté sur la décision de la justice. Il a dit sur Top Congo. Et vous parlez de l'impact de la justice, c'est qu'il lui-même devient la justice, parce qu'il nous a déjà dit que la justice est malade. Il nous a dit que la justice est malade, c'est pourquoi il avait décidé de fourrer son nez dans le dossier Boujakira. Donc il n'y a pas d'indépendance judiciaire au Congo. Très bien. Est-ce que le secrétaire général Kabuya sera-t-il poursuivi pour propagation de faux bruits? Parce que Moukeba a été arrêté parce qu'il avait déclaré sur un plateau de télé qu'il y aurait des militaires placés aux alentours de Kinshasa pour attaquer Kabila. Il a été arrêté pour ça, propagation des faux bruits. Moderon Simba est poursuivi à ces jours pour propagation des faux bruits également. Et là, c'est Kabuya qui parle avec certitude que l'ancien président de la République Kabila a quitté le pays d'abord en catimini pour aller soutenir l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nanga. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les services puissent interpeller Kabuya? Question de présenter aussi ses preuves quant aux allégations faites contre un ancien président de la République. Il ne laissera pas. Pourquoi? S'il fallait que les services auditionnent Kabuya, ça devait être fait depuis 2020. Lorsque Kabuya avait dit, c'est lui qui va s'opposer à notre pouvoir, je vais distribuer les armes. Ok? Kabuya a tenu des propos séparatistes, des propos nazistes. Il a traité nos frères kassaïens, mes compatriotes, des étrangers dans leur propre pays. Pour défendre, pour justifier ces jetons auprès de Jacques Kaboula. Il a traité des Kassaïens d'être des étrangers. Il a dit Kassaïens étrangers au Katanga. Or, nous sommes tous un au nom du Congo. Il n'a pas été poursuivi. Tantôt, Daniel Safoué était à clandestinité pour des propos. Pour avoir tenu, entre guillemets, des propos à caractère tribal. Mais Kabuya est à l'extérieur, pourquoi? Pourquoi? C'est ça la justice que vous voulez me dire ici. Vous avez cherché à me faire croire qu'elle est indépendante. Mais, entre guillemets, Kabuya et Tshisekedi sont en train de chercher comment laver Kagame. Parce qu'aujourd'hui, Kagame va dire, ils l'ont dit, ce n'est pas moi, c'est Kabila. Kabuya l'a dit, ce n'est pas Kagame, mais c'est Joseph Kabila. Kabuya l'a dit. Donc Kabuya a nettoyé, a pétoli Paul Kagame Namasu Mounionso. Abi, c'est Kabila qui finance, qui organise l'M23. Dans la guerre à l'Est, ce n'est plus Paul Kagame. Kagame, ce n'est plus Paul Kagame. Qu'on arrête de pointer du doigt accusateur, le Rwanda. Donc aujourd'hui, si moi je me permets de dire que Kagame est sérieux, qu'on ne me traite pas d'être proche de Kagame sanguinaire. Kabuya nous dit, c'est Kabila les sanguinaires, Kagame est innocent. Il a dit. Et il justifie ses limites.
par Harry Maggi et Yannick Tissot. J'aimerais voir Kabuya revenir à la charge pour nous expliquer l'adhésion de Wakanja. Président fédéral IDPS Canada, il était ici, ami de Félix Tshisekedi. Donc, dans le même raisonnement que Kabuya, c'est que Tshisekedi aussi finance les M23. Donc, Kabuya va nous dire que Jean-Pierre Bemba aussi finance les M23 parce que Jean-Jacques Mamba est membre du MLC. Il avait quitté le MLC avant de rejoindre l'AFC. Kabuya va nous dire que Kamere aussi soutient les M23 parce que Larens Kanyuka, un ancien membre de l'INC, est membre. Des questions sérieuses qui touchent à la vie de la nation, Kabuya les traite comme un parlementaire debout. Donc, quand vous écoutez Kabuya, il n'y a aucune différence entre Kabuya et Gilles Mouniere. Aucune différence. C'est lui qui interdit aux gens de parler, d'évoquer la situation sécuritaire à l'Est. Il n'a pas vu Kabuya. Il n'a pas vu Kabuya. Les médias qui ont relayé, les médias proches du pouvoir, qui ont relayé le message en corrélation avec la situation sécuritaire à l'Est, ils ont reçu quelles sanctions? Mais si Préfet Télévision évoquait cette question, l'invitation, Christian Bossembe, ses fils à maman, va vous envoyer l'invitation. Cette émission ne va pas prendre fin, l'invitation va être ici. C'est comme si Bossembe a des invitations qui manquent de dates déjà contre Préfet Télévision. Il attend qu'on évoque cette question de sécurité pour envoyer. Pendant que le média, l'autre infirmier, chaque jour il parle que de la situation sécuritaire. Entre qui aimait, on a arrêté, d'ailleurs on a arrêté des citoyens qu'on a impliqués à l'Ensemble pour la République pendant qu'en 2018, l'Ensemble pour la République n'existait pas. En 2018, l'Ensemble pour la République n'existait pas. C'est là que je me pose à la jeunesse de l'Ensemble pour la République. On accuse faussement votre parti et vous êtes tu. C'est des bourgeois, il faut les laisser. En 2018, l'Ensemble pour la République n'existait pas. La preuve, il n'y avait pas eu un parti politique qui avait concouru aux élections au nom de l'Ensemble pour la République. Très bien. Mais comment est-ce que le régime pouvait dire des députés provinciaux arrêtés entre guillemets en connivence avec l'M23 sont membres de l'Ensemble pour la République? Et la jeunesse est restée silencieuse. Ça c'est quelle jeunesse? Parfois je suis découragé. C'est une jeunesse bourgeoise. Je suis très découragé. On accuse faussement. Et Israël Moutombo prend le courage de relayer, photo à l'appui, un tel message, à citer l'Ensemble pour la République. Je me pose la question, est-ce qu'Israël Moutombo passait même devant l'IFASIC? Éviter les noms des gens. Non, c'est lui qui avait présenté ces photos, qui sont devenues virales sur TikTok. Merci. Il n'a pas fait objet de sanctions de la part du CESAC. Israël Moutombo a tenu des propos graves sur l'opposition, contre l'opposition. L'ANR n'a jamais invité Israël Moutombo parce que pour dévoiler de tels secrets, il faut prendre part à une telle réunion. Imaginez-vous une seule minute. C'était le vaillant Peter Etienne qui faisait des révélations telles qu'Israël Moutombo l'avait fait. La demi allait siéger cette chaîne. Donc, ça confirme toujours notre position que la justice est accommodante lorsqu'il s'agit de la majorité et non accommodante lorsqu'il s'agit de l'opposition. Très bien. Donc, Kabila, aujourd'hui c'est Kabila qui déstabilise le pays. L'autre fois c'était le Covid. C'était le FCC cash. Tu sais qu'il a échoué, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, tu sais qu'il a échoué. Tshisekedi a échoué, Kabuya ne sait pas comment défendre l'échec de Tshisekedi. Vous savez, il y a facilement. L'argent est destiné à l'achat d'armes. Voilà pourquoi les peuples congolais. Je ne peux pas parler des armes de guerre
parce que je n'interviens pas à la chaîne de défense, de commandement de l'armée. Mais moi, étant que peuple, si les armes sont là, moi, je vais les constater par comment je vais les constater lorsque les territoires occupés vont être récupérés. C'est ça. Une équipe forte, c'est celle qui gagne. Mmh. Vous n'allez pas dire à un citoyen qui habite Bounagana que l'armée est montée en puissance, l'armée est équipée, pendant que lui est sous contrôle des terroristes. Est-ce que c'est compréhensif? Et puis lorsque Kabouya a dit l'argent est destiné à l'achat... Il a dit quoi? L'argent est destiné à l'achat d'armes. À l'achat d'armes. Tout ce qui est mobilisé. Mais pourquoi Salomon était poursuivi? N'est-ce pas, c'est la divulgation des secrets de défense dans temps de guerre. En temps de guerre. N'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est la divulgation des secrets de défense en temps de guerre. Salomon est sorti sur une chaise roulante, Kabouya sur qu'il. Entre Salomon et Kabouya, qui devait être arrêté? Qui lui a donné ces informations? Très bien. Est-ce que Kabouya intervient dans la chaîne de commandement? Kabouya, voyez-vous, Salomon est innocent, arrêté sans commettre une infraction. C'est là qu'on attend voir la justice à l'œuvre. Mais la justice ne va pas interpeller Kabouya. Où sont le ministre de Kinkabwa? Où sont les ministres de Kinkabwa? On crée la même infraction, on fabrique une infraction contre un innocent, aujourd'hui hospitalisé, sur une chaise roulante, mais quelqu'un vient sur la place publique, journaliste, média à l'appui, il dit l'argent est destiné à l'achat d'armes. N'est-ce pas, c'est un secret de défense qui a été mis sur la place publique. Est-ce qu'il a une équipe de conseillers en communication qui prépare son discours avant de le prononcer devant ses militants? Ou il s'est réveillé un bon matin, il s'est dit, bon, je vais parler. Il prépare lui-même son discours. Il faut avoir aussi l'intelligence pour comprendre les conseils, écouter et comprendre. On peut te conseiller si tu n'es pas intelligent. Je ne dis pas que Augustin Kabouya n'est pas intelligent. J'ai dit en général, si tu n'es pas intelligent, même si on te mettait à côté d'Albert Einstein. Le problème, l'homme doit d'abord être intelligent pour avoir la capacité de comprendre. L'homme lui-même. J'attends une réponse d'Augustin Kabouya et l'autre là, Eliezer. Je lui ai chaque jour, j'ai dit chaque jour, Eliezer. On n'étudie pas en âge avancé. Je l'ai dit, je ne sais pas comment conseiller mon vieux Eliezer. C'est un grand frère que j'aime bien. À l'ingala, on dit classe César en HD. Classe Yakimukolo, Renoruka papier. Le cerveau. Ils en attendent en Lembaka. Moi, j'ai fait la psychopédagogie. Dans la faculté intellectuelle et à Moutou. Que faculté est déclinée rapide, c'est la mémoire. À partir de 25 ans, la mémoire humaine commence à décliner. Yangomoni. Limite, tu as 25 ans, tu dois obtenir ton diplôme de licence. Et selon l'ingé, sa connaissance dans ma formation parallèle, au quoi ajouter. Quand Eliezer dit, il faut retirer l'agrément au PPRD, Harry Magie est avec quelle responsabilité au sein du PPRD? Or, pour retirer l'agrément d'un parti politique, il faut que la tétrise ou l'infraction touche le sommet. Soit le secrétaire permanent, le secrétaire général ou le président. Ok? Mais je vais voir Eliezer dire qu'on doit retirer l'agrément à l'IDPS. Pour avoir fait quoi? Wakanja et l'autre là qui vient encore des régions de l'M23. Bon, le CESTAC nous interdit de parler de cette question des M23. Mais attends, attends. Qui sont les devons nous aligner qui derrière sont, la décision qui du sont CESTAC? Les communicateurs du M23? N'est-ce pas, c'est le régime. Montrez-moi un communicateur ou un membre du gouvernement. On va terminer l'émission. Passer sur un plateau de télé sans évoquer le M23. Ils ne parleront plus du M23. D'ailleurs, qui ont publié les images de Nanga? Qui ont publié les images de Nanga, le vidéo de Nanga? On va terminer l'émission. Dernière question. C'est l'Union Sacrée qui s'est transformée à un communicateur de l'Alliance Fleuve Congo de Kona et Nanga.
Dernière question. Il est très à l'aise. Il n'a plus besoin de recruter des communicateurs. L'Union Sacrée fait bien le travail. Très bien. Dernière question. Comment vous justifiez à ces jours les attaques contre la famille Kabila principalement? Leurs biens qui sont de temps en temps perquisitionnés, sa sœur jumelle qui a été auditionnée par la DEMIAP pendant pratiquement 5 heures. Aujourd'hui, c'est Kabuya qui s'en prend encore à Joseph Kabila lui-même et qui les présente devant l'opinion comme le soutien de l'Alliance Fleuve Congo-Hôtel. Comment vous expliquez ou qu'est-ce qui pourrait justifier ces attaques? Je vais vous répondre comme mon grand frère Alain Bolondjoa. Tu sais qu'il est complexé de Kabila. Comment ça? Il se sentira président le jour où Kabila ne sera pas en vie. La cohabitation entre les deux est impossible? Parce que lui, il est président. Kabila est revenu à la vie normale. Mais vous allez voir... Il fait ses études d'ailleurs. 5 ans d'Iran, le régime nous brandit que Kabila. 5 ans, le régime nous brandit que Kabila. On vole là, on détourne, c'est Kabila. Dans la pluie qui a cassé les ponts, Njili ce matin, c'est Kabila. Comment Oise en faillite, c'est Kabila. Transco en faillite sans carburant. Ils ne savent pas comment payer les agents, c'est Kabila. Un régime adamique, un régime des historiens. Telle chose, ah, nous l'avons hérité. Ça n'a pas commencé par nous, ça fait 18 ans. Alors je me pose la question, le régime ici est responsable de quoi? Seulement de détournement, d'enrichissement illicite? Qu'on nous montre là où Kabila bloque Tshisekedi. Kabila bloque quand il s'agit de payer les agents de l'État. Kabila bloque quand ils n'arrivent pas à gérer la République. Mais quand Tshisekedi doit voyager, là Kabila ne bloque pas. Quand ils vont dans des fêtes, quand ils détournent, Kabila ne bloque pas. Mais dans des choses sérieuses, c'est là que Kabila bloque. Soyons sérieux, nous parlons quand même de notre pays. Nous ne devons pas être un peuple mouton. Je demande à mes compagnons de cesser d'être des moutons. De refuser d'empêcher leurs oreilles d'écouter de tels discours. Comment on peut dire qu'un ancien président de la République a quitté le pays en catimini, alors qu'il est connu de tous? Donc, comme sénateur à vie, il bénéficie d'une autorisation de sortie avant de quitter le pays. La DGM, l'ANR sont informés qu'en Pitiat... La RVA. Non, qu'en Pitiat, ça ne veut prendre son avion, rien que pour Lubumbashi. Là, ils sont informés. Quand Stanley Boujaki avait prendre son avion, ils sont informés. Mais ces services deviennent aveugles quand Kabila veut sortir Kabuya. C'est un président de la République. Et Kabuya cesse de blaguer avec les Congolais. Il doit avoir un minimum de respect pour nous. Très bien, on a terminé. Si réellement leur pouvoir est le manation de nous, peuple, il doit observer un minimum de respect. Donc, en quelque sorte, il a jeté de l'opprobre sur la DGM. Mais chaque jour, tu sais que... Sur la RVA. Tu sais que dit Kabuya, chaque jour, ils insultent les services. Quand il dit Stanley Boujakira est victime d'une justice malade, et c'était la justice qui avait arrêté Boujakira. Merci beaucoup. C'était la justice qui avait arrêté Boujakira. On a terminé l'émission. Quand il dit la justice malade, c'était la justice qui avait arrêté Salomon. Chaque jour, ils sont là en train d'insulter le service de sécurité. Donc il dit la DGM ne travaille pas, l'ANR, l'RVA. Alors, que font ces administrateurs? Merci beaucoup. Pourquoi ils sont payés? Merci beaucoup Marley Vouvou, cette émission est terminée. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Et joyeux anniversaire à l'honorable Mike Moukebaye, courage, les combats continuent. On se retrouve avec vous très prochainement. Mais je vous annonce que je vais saisir officiellement le directeur de la prison. Nous devons avoir une réponse sur cette question. Très bien, on a terminé l'émission. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Bon début du mois, bon début des semaines également. Je vous retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec le même plaisir. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes.